Regardez-moi le jour qui se lève, avec le bruit des animaux en fond, la lune qui disparaît légèrement derrière, les oiseaux qui volent. C'est pas magnifique tout ça? Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online. Et oui, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi. Alors vous devez vous demander pourquoi c'est un grand jour. Tout simplement parce que comme beaucoup d'entre vous, je collectionne un peu les boucles de ceinture. C'est pas non plus ma priorité absolue, mais c'est vrai qu'il y a certaines boucles que je me suis fait l'objectif d'avoir, et une en particulier. Sauf que comme j'ai déserté un peu le jeu, j'ai zappé moi tous ces délires-là. Et en entrant dans ma progression, là il n'y a pas 15 minutes, je me suis rendu compte que la boucle que je rêve d'avoir depuis le lancement de Red Dead Online, et qui se trouve juste ici, est bientôt atteinte. Donc regardez, c'est celle-ci. On me demande de fouiller des ennemis. On me demande de fouiller 1000 ennemis pour débloquer la boucle, pardon. Et regardez, j'en suis à 995 sur 1000. Ça peut paraître basique comme ça, croyez-moi, c'est super long. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi je perds toujours un peu de temps à détrousser les ennemis dans les diverses missions que je vous propose en vidéo. Regardez-moi cette boucle aussi, comme elle est magnifique. Alors c'est classique, c'est rond, mais la tête de mort avec le dollar. Voilà, ça en envoie un petit peu, et vous allez voir, ça va être la boucle que je vais porter sur la plupart de mes ensembles. Comme je suis généreux, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai envie de profiter de ce moment avec vous. Ça vous permettra de voir la joie sur mon visage. Ah non, merde, je fais pas de face cam. Alors ça vous permettra d'imaginer pourquoi pas la joie sur mon visage, et j'ai envie de faire les choses dans les règles. Donc je vais me rendre chez Mama Watson, vous l'avez deviné, pour récupérer une mission. Si je dis pas de bêtises, elle a de bonnes missions elle en ce moment. Donc on va voir ça. Une évasion de prison. J'espère juste que ça bug pas, parce qu'on a eu pas mal de bugs là, surtout ce week-end pour ceux qui étaient un peu avec moi sur le live, etc. On va voir ce qu'elle nous demande. Mais je suis vraiment vraiment content de pouvoir débloquer cette putain de boucle, parce que ça fait des mois que je l'attends et j'espérais plus. Ok. Et en plus, je viens de vous dire, ça va justifier que je fasse le barbare, parce qu'il faut automatiquement que je détrousse des mecs. Alors, on va voir ce que ça raconte. Et c'est parti. Alors, la prison de Strawberry. Alors, je vous pose la question maintenant, mais si vous avez aussi pour objectif des boucles de ceinture ou certaines récompenses particulières, surtout les boucles de ceinture, dites-moi quelle boucle de ceinture vous avez, ou pourquoi pas quelle boucle de ceinture vous voudriez avoir, histoire de voir. Je pense pas qu'on ait tous les mêmes Je pense pas qu'on ait tous les mêmes objectifs à ce niveau-là, pardon. Il est 2 heures du mat quand j'enregistre cette vidéo, donc je risque de bafouiller un petit peu, mais voilà. Lesquelles vous plaisent, celles que vous avez pour objectif, celles que vous avez déjà débloquées, dans le cas où vous avez atteint votre objectif, pourquoi pas. Et pourquoi surtout vous avez eu le choix sur telle ou telle boucle. Alors pour le coup, ok, je me disais bien, on n'était pas si loin de Strawberry, bordel. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Est-ce que je suis équipé? Mon pompe, ma Lancaster, on est bon. Je vais mettre mon cheval juste ici, mais par contre, est-ce que je vais avoir le temps de les fouiller? On va essayer de faire quand même assez attention. Hop, si on pouvait avoir au moins le premier en discretos, pourquoi pas, hein? Mais je pense que je risque de me faire capter. Il doit y avoir des témoins dans le secteur, c'est sûr. Juste à l'intérieur du cabanon. Mais oui, c'était sûr, bordel de merde. Bah écoutez. Hop. Ah merde, je pensais que c'était des ennemis. Ouais, mais traînez pas dans les pattes, Mister. Alors, on en fouille un. Venez, venez. Justement, je vous attends. Il est où? Elle est là. Alors, on va juste se mettre, hop, un peu ici. Hop. Merde, le cheval qui me gêne. Allez, on en a encore un ici. Je quitte pas Strawberry tant que j'ai pas ma putain de boucle. Vous savez même pas, vous. Allez, viens ici, on va te fouiller. Vous pouvez venir, ça me dérange pas. Plus que deux.
va s'occuper du type à l'intérieur. Voilà. Plus qu'un. Après celui-ci, bien sûr. Est-ce que on n'irait pas. Hop. Récupérer l'autre. Est-ce qu'on peut monter? Non, on va récupérer celui-là. Écoutez, on va récupérer celui-ci. Allez, vas-y, Johnny. Et voilà, récompense générale. Ennemis fouillés, 1000 ennemis fouillés. Alors, vous pouvez me buter ou faire ce que vous voulez. Ça me dérange pas. J'ai eu ce que je voulais. Alors, on va quand même faire des choses bien. Maintenant qu'on est là, pourquoi pas. On va aller récupérer notre cible. Ouais, viens, gros. Je t'aurais bien donné un revolver. Mais par contre, les deux le mat, ils sont fun. Enfin, ils sont fun. Ils sont neufs. Donc, je vais me les garder. Allez. Viens ici. Allez, c'est parti. Allez, on se barre. Ah, par contre, c'est de l'autre côté que j'aurais dû aller. Je rêve. Ok, on va essayer de faire le tour, pourquoi pas. Allez. Il veut que je le ramène où, ce bâtard? Il veut que je te ramène ici, sérieux? Allez, viens, on se casse. Allez, viens. C'est là que tu veux aller? Protéger le prisonnier pendant qu'il cherche son butin. Ok, ah, donc on est parti, ouais, on est sur de la fusillade, là. Je pensais que c'était juste une fuite. T'as intérêt à bien me payer, hein. Alors, t'as récupéré ton butin ou pas? Ah ouais, c'est chaud, hein. Je pensais que c'était juste une mission d'évasion. On s'est retrouvé dans un bordel. Tuer cette mission, en fait. Quoi, j'ai plus de balles. Et tire, la bordel. Allez, Brianna, viens ici. C'est quoi? On va aller les arroser. Allez, venez. Il est temps de se barrer. Toi et ton trésor, normalement je te bute, je te dépouille tout de suite. Je te détrousse toi aussi aujourd'hui, hein. Et voilà. En un seul morceau, t'as vu ça ou pas? Le prisonnier a été libéré. Alors comme ça on aura fait d'une pierre deux coups. J'aurais eu ce que j'ai voulu en récupérant ma putain de boucle magnifique de ceinture dont je suis déjà extrêmement fier. Et ben, d'un autre côté on aura pu découvrir une des nouvelles missions proposées parce que celle-là je suis quasiment sûr qu'elle n'existait pas avant la mise à jour de printemps. Donc pour le coup c'était sympa à voir. 24 pépites, 12 $, 362, écoute on est très bien. Bientôt au niveau 49. Je vais essayer d'atteindre le niveau 50 histoire de vous proposer ma vidéo sur le build que je compte me faire moi, qui sera axé plus exploration mais qui sera tout aussi efficace en PVP je pense. Donc on verra ça en temps voulu, je l'espère. Alors en espérant que la vidéo n'ait pas été trop longue, si elle vous a plu n'hésitez vraiment pas à me mettre un pouce bleu. Vous savez à quel point ça aide la chaîne, je le demande parce que voilà, ça peut faire toute la différence pour ce qui est de la... des recommandations, etc. J'ai plus le terme exact. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver très vite pour de prochaines chroniques. Portez-vous super bien d'ici là. Et simplement, à plus les bandits.